Salut les otaku, minasan konnichiwa. Alors la vidéo d'aujourd'hui est une introduction pour ma chaîne YouTube pour les fans d'anime, autrement dit les otaku. Et je me demandais plusieurs questions que je mentionnerai plus tard. Alors regardez la vidéo jusqu'à la fin si vous voulez en savoir plus. Et me voilà, tout d'abord je tiens à parler de la chaîne, de son intérêt et la raison pour laquelle j'ai voulu en créer une. Tout d'abord, la chaîne s'appelle Anime World Sakura-chan. Anime World parce que je discuterai plus sur les animes qu'autre chose. Et Sakura-chan en référence sur moi, même si ce n'est pas mon vrai nom. Mais je l'ai choisi parce que je l'aime bien et ça veut dire les cerisiers magnifiques du Japon, surtout au printemps. Ouais, voilà. Et pour la raison d'avoir créé Anime World Sakura-chan, c'est juste pour me faire des amis otaku avec qui je pourrais discuter des animes que j'aime tant et entendre leur avis, avoir une super ambiance et interaction entre nous. Et donc, je me demandais du contenu qu'il devrait y avoir et j'ai voulu connaître votre opinion avant tout. Si vous voulez des recommandations pour les animes, par exemple, je vous parle de mes animes préférés et aussi des meilleurs animés dans chaque catégorie, soit action, romance, aventure, fantasy, science-fiction, comédie, tragédie, suspense, musique, psychologie, sport, nourriture, etc. Et aussi à propos des jeux vidéo d'animes sur la PSP, tels que Hunter x Hunter, K-On!, One Piece, Naruto et Bakumatsu Rock. Et des jeux virtuels comme VRChat et Droid Virtuel. Aussi en ligne si vous souhaitez. Ou si vous voulez des vidéos TikTok ou des edits sur les animes. Je pourrais même vous mettre une vidéo sur les sites gratuits pour les animes, soit en français, anglais, arabe ou d'autres langues. Des vidéos pour les mangas, les doujinshi et les manhwa pour les fujoshi. Et oui, pour ceux qui ne savent pas ce que cela veut dire, je publierai une autre vidéo explicative sur les yaoi, yuri, fujoshi, fudanshi si vous le désirez. Et je pourrais aussi vous poster des vidéos pour enseigner le japonais si vous vous sentez intéressé. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit, dites-le moi sur les commentaires et bien sûr que ça soit quelque chose de raisonnable. Et je voulais vous dire que je suis encore une débutante et je ferai de tout mon mieux pour vous satisfaire. Bref, nous arrivons à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à tout me dire sur les commentaires et me proposer des idées, me donner des conseils. Dites-moi aussi si vous voulez que je parle en français ou en anglais durant la vidéo et aussi utiliser parfois des mots japonais. Merci pour votre attention et à la prochaine fois. Sayonara!